Je voudrais, en cette année 2024, souhaiter mes vœux pieux des bonnes et heureuses années à Son Excellence, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCRDA. Je souhaite également mes vœux de succès, de bonheur et de prospérité aux militants et militants du PDCRDA dans leur grand ensemble. J'associe naturellement à ces vœux mes compagnons de lutte du Forum national du PDCRDA. N'oublions pas également les vaillantes populations de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons à elles bonne, heureuse et sainte année 2024. Nous avons connu des épisodes difficiles en 2023 avec la brusque disparition du chef, du guide, Son Excellence, le président Henri Konabédié. Nous souhaitons que cette année 2024 nous épargne les épreuves difficiles et qu'à l'unisson, le peuple du PDCI se mette ensemble pour préparer la reconquête du pouvoir d'État sous le leadership, bien sûr, de Son Excellence, le président Cheikh Tidiane Thiam. Nous avons, à ce moment précis, une pensée pieuse pour le vice-président, le général Gaston Wassena Koné, également à tous nos illustres de feu et mon ami frère Stéphane Bracano. Bonne, sainte et heureuse année 2024 à tous.